Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle randonnée au cœur de l'actualité du continent. La nouvelle est tombée, une partie de l'Afrique s'est éteinte dans la soirée du 5 décembre. Mandela, le Madiba, n'est plus. La figure de l'homme fait la une de tous les journaux africains ce matin. À la une du Mail and Guardian, on peut lire A symbol of the power of good. L'homme de la lutte contre l'apathie occupe la une du journal sud-africain The Star, une autre appellation pour ce sage de l'Afrique, The World Waves. The Washington Post proclame A nation's healer is dead. Au journal Libération de dire Mandela en paix. Un saut en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, titre Mandela en enfin libre. Pour notre part, on dira tout simplement paix à l'âme de cet homme qui aura lutté toute sa vie pour la justice. Si le mandibas s'en est allé, la lutte continue en Afrique. Le sommet de l'Élysée pourrait se présenter comme une occasion pour la France de reprendre son influence sur l'Afrique face à la menace de la Chine qui prend un bon marché sur le continent africain. La France est désormais confrontée à des interlocuteurs rugueux, exigeants et prompts. À notre confrère d'insinuer en gras, ce qui est en jeu pour la France, ce n'est pas d'habiller de mots le processus continu de retrait de l'Afrique, entamé il y a presque une vingtaine d'années, mais d'inverser la courbe. La communauté des États économiques de l'Afrique centrale condamne une tentative de déstabilisation de la Centrafrique suite à l'attaque des forces anti dans la capitale, comme le rapporte le site Afrique Info. affiche les soldats français pris de court par les massacres. Plus bas, on peut lire La France se laisse surprendre par une soudaine accélération des événements dans une partie du monde qu'elle maîtrise pourtant. C'est ici que prend fait notre randonnée au cœur de l'actualité africaine. Mais avant, méditez sur cette citation de Nelson Mandela En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant.